Bonjour à tous. Je vais vous montrer l'évolution de mon potager après une semaine d'absence. Allez, c'est parti. Donc voici les courgettes que j'ai récoltées. Donc il y en a deux. Voilà. Ensuite, le persil. Donc il a bien poussé, s'est bien développé. Voilà. Ensuite, nous avons j'ai oublié le nom. Les immortels, oui c'est ça, les immortels en fleurs, bientôt en graines. Voilà, la lavande donc en fleurs aussi, donc tout est en fleurs avec la petite guêpe. Voilà, ici nous avons le prunier qui, je pense, mesure 3 mètres ou environ. Donc il a bien poussé. Voilà, avec les prunes dedans. Mes boutures. Donc, elles ont eu du mal au début de l'été. Parce qu'il y avait plein de pucerons, plein de cochonneries comme ça. Donc j'ai badigeonné de savon noir. Ça a bien fonctionné. Et voilà. Donc elles sont en forme. Donc elles mesurent 1m50, 1m60 environ. Ici, oui. Les cosses, enfin les petits pois. Les plants. Je les ai mis à sécher pour récupérer des graines. Voilà. Ici, les tomates. Donc voilà, avec les œillets d'Inde, ou les roses d'Inde plutôt, c'est des roses d'Inde ce que j'ai mis cette année. Les tomates grappes, donc il y a des tomates qui rougissent. Voilà, donc les roses d'Inde. Ici c'est cœur de bœuf, je suppose. Tomates cerises. Donc encore une fois des immortels. Voilà. Hop. Là aussi, petit zoom. Le pêcher. Donc en une semaine, pour l'heure, il a poussé. Il a plu, il a soufflé, il y a eu du vent. Puis là, il fait beau. Voilà. Magnifique. Celui-là, il avait les cloques aussi. Donc j'ai mis de la bouillie bordelaise. Il n'y en a plus de cloques. Nickel. Hop, voilà. Immortel encore. Tac. Les haricots verts. Il faut que je fasse une récolte. Une récolte de haricots verts. Pour tuer des cafés. Voilà. Voilà, salade. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus aussi. Voilà, ils ont bien poussé. Donc c'est un peu la jungle là. C'est un peu le fouillis là. Faut que je nettoie tout ça. Parce que là, je n'y retrouve plus. Encore une fois les tomates. Donc voilà. J'ai été chercher les branches de noisetier. Donc elles font 2 mètres. Branches de noisetier de 2 mètres. Donc ça sert comme tuteur. Voilà, haricots encore.
petit rejet. Voilà. On enlève les belles tomates. Donc ça, c'est pas des cœurs de bœuf, je sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas grave. Voilà. Tomates cerises encore. La lavande. Je sais pas si vous voyez très bien. Voilà, petite lavande. Enfin, petite. Moyenne, enfin grande plutôt. Ça prend un peu d'ampleur. Donc voilà ce qui est pour l'espace tomate et tout. Tomate, haricots verts, salade, courgette. Donc voilà. Donc j'ai une courgette, comme je vous ai montré au début de la vidéo, elle venait de ce plan. Et puis l'autre, de ce plan. Ici, j'ai tout nettoyé. C'était l'espace petit pois. Oups. La fameuse palissade. Voilà. Ici nous avons le cassis. Avec du cassis dedans. Donc manger ça. À manger le cassis. Voilà, donc lui, il s'en sort pas. Ici c'est. Ça c'est un groseillier à grappe. Voilà. Donc là, les cloques. Ici, les haricots verts. Haricots verts, là. Donc, j'avais fait une vidéo sur. Sur quand. Le semis. Voilà, donc, ils se sont bien développés. En une semaine. Un haricot vert, oh la vache. Et celui-ci n'arrête pas de grandir. Donc le fameux noisetier. Voilà. La ciboulette. Là. Des plantes salades, de salade, donc que j'avais semé moi-même. Ici un plant de concombre. Donc il a eu du mal. Presque il était en train de végéter au début. Mais bon, j'ai arrosé abondamment. Il a repoussé. Ici, il y a notre plant de concombre. Donc, voilà. Oups. Oh bah les plants se sont agrippés au plant de concombre. Donc voilà. Oups. Celui-là, il n'a pas de concombre. Ensuite, des autres plantes salades. Un autre plant de concombre, donc un beau concombre là. Voilà, trois beaux concombres même. Voilà, puis le troisième est là. Ici encore des roses d'Inde, avec au milieu un plant de tomate. Là, les fleurs de chêne, feuilles de chêne. Donc elles ont bien poussé. Ici, plein de salades paumées. Ici, on a une salade qui a monté. Bon, bah, pas grave, j'en ai qu'une qui a monté. Là, encore un autre plant. Encore un plant de concombre. Donc voilà, c'est la jungle. On ne s'y retrouve plus. La tomate cœur de bœuf. Voilà. Encore un autre plant de concombre. Un plant de tomate. Tomate cerise. Avec des roses d'Inde. Voilà, encore des feuilles de chêne. Notre plant de concombre. Donc j'ai 5 plants de tomates sur cette partie du potager. Donc c'est pas fini. Un plant de pommes de terre qui a poussé. Voilà, donc il a poussé tout seul. Feuille de chêne encore là.
Voilà. Un plant, un concombre. Donc je suis content, ils ont pas palladium. Oups. Voilà, avec le concombre là. Un autre concombre. D'autres tomates. Donc des roses d'Inde. Donc voilà ce que ça donne. Vu d'en haut. Ici, d'autres salades. Donc avec des potirons. Trois plants de potirons. Là, ici et là-bas. Là-bas plutôt. Donc, je vous montre ça de plus près. Donc il a fleuri. C'est une fleur mâle. Parce qu'il n'y a rien au bout là. On va verrer une petite bosse. Voilà. Encore un autre plant de patates, de pommes de terre. Un autre plant de potiron qui a fleuri aussi, lui aussi. Voilà. Et les fameux melons. Voilà. Donc dans ce plant là, il n'y a pas de melon. J'ai bien regardé, faut que je le taille. Parce que là, voilà. Il s'est bien développé après une semaine d'absence. Donc il faut que je nettoie, faut que je désherbe. Que je fasse. Et j'ai du boulot. Voilà. Voilà, ça c'est le melon Cézanne et fin. Voilà. Et voilà un petit melon gris de Rennes. Donc c'est pas le même plan. Petit melon. Hop. Gris de Rennes. Qui se sont bien développés. Voilà. Le noisetier. Donc voilà, j'ai fait le tour. Ah oui, et aussi là, j'ai oublié de vous faire montrer ça. C'est le le groseillier maquereau. Donc j'ai fait une récolte, je les ai tous ramassés. Et il recommence, il se met à pousser encore une fois. Donc voilà, je pense que là c'est vraiment fini. Ah là, donc le pêcher il prend le dessus. Là, le pêcher là. Et puis le groseillier là. Mais bon, c'est la nature. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt. Au revoir.